Allez, c'est bon. 25 coups, s'il vous plaît. L'utilisation du cône d'Abraham pour la consistance du béton est notamment sur différents bétons. Le béton ferme, plastique, super plastique et fluide. Suivant les indications données par le bureau d'études, on va nous demander une normalité de béton et le cône d'Abraham va pouvoir vérifier chaque camion qui vont être coulés dans nos poteaux ou dans nos murs branchés. Parfait, très bien. Tu enlèves ton noir, tu arrêtes. D'accord. Là, tu arrêtes, c'est pas grave, si ça coule, ça coule. Voilà. Très bien. Parfait. On va démouler. Alors, pour démouler, on va tirer naturellement, sans contrer. Ça doit venir tout seul. On va préparer notre portique. D'accord ? On va prendre la partie d'après l'autre. Vous lisez combien, messieurs ? Juste en dessous, là. 5. 5,5. Très bien. On vérifie notre descente. Il nous fallait entre 5 et 9 cm. On est bien dans notre béton plastique, puisqu'on est à 7,5. On a préparé un S2. Il est largement suffisant pour pouvoir faire notre retour en béton armé. On est vraiment dans les normes. C'est très bien, je vous en félicite d'ailleurs. Un beau béton plastique comme il se doit. Cache du mec, bien évidemment, avec une sorte de facilité là. Voilà, je vois. L'utilisation du coffrage carton, notamment appelé sonotube, va nous donner différents avantages, c'est-à-dire l'avantage du coffrage rapide et un avantage au niveau de l'aspect du poteau après vibration et coulage du béton. On aura vraiment un aspect vraiment parfait, prêt à peindre. Photo de qualité prêt à peindre avec des angles coupés. Voilà.